Et comme chaque jeudi soir, c'est parti pour 01 Live Hebdo. Ravi de vous retrouver. Merci d'être avec nous. C'est parti donc pour 30 minutes de débriefing de l'actualité high-tech avec un spécial Barcelona. Olé ! Salut Jérôme. Salut François, bonsoir à tous. On l'attend chaque année avec impatience. C'est l'événement de ce début d'année puisqu'il livre son lot de nouveautés, de surprises en matière de mobilité, de nouveaux smartphones, de technologies mobiles. C'est le Mobile World Congress de Barcelone. Alors, ça démarre lundi. C'est beau. Et dès ce soir, nous allons tout vous dire. Enfin, pas tout, parce qu'autrement, ça ne servira à rien qu'on aille à Barcelone quand même. Il y a quelques encore éléments un peu flous. Mais c'est vrai que du côté de chez Huawei, LG, Nokia, Motorola, Samsung, toutes les marques sont dans les starting blocks. Quelles nouveautés, des vraies nouveautés, des fausses nouveautés? Il y a même qui font du neuf avec du vieux. Suivez mon regard du côté de chez Nokia. On va en parler dans un instant avec, ici, il est là, Jean-Sébastien Zanqui, les amis. Il va tout nous dire. Vous ne le voyez pas à l'écran, mais ça y est, il les voit. Et là, vous voyez, c'est ma main. Pardon, voilà, oui, comme ça. Il est venu avec sa boule de cristal. On va parler de voitures aussi, car comme au CES de Las Vegas cette année à Barcelone, je crois qu'il y aura énormément de voitures connectées. C'est décidément la meilleure amie du smartphone. Et qui est l'homme de la voiture connectée? Vous le voyez, c'est lui, c'est David Noguera. Il est en plateau avec nous ce soir. Voilà, depuis sa voiture personnelle avec son masque. Ah non, qu'est-ce que c'est venu quand même en studio, nous voilà. Quoi. Et c'est vrai qu'avec le numérique, tout va plus vite et on ne supporte plus aujourd'hui d'attendre. Combien de fois je vois Jérôme sangloter parce qu'il attend une seconde sur sa connexion 4G. Une seconde d'attente provoquerait en fait, les amis, même un véritable stress quand on utilise son smartphone. C'est dingue, vous allez tout comprendre. Ça sera notre Zoom Actu avec Delphine Sabatier tout à l'heure. Comme chaque semaine dans 01 Live Hebdo, le labo de 01net avec les nouveaux produits qui viennent d'arriver. Alors tenez-vous bien, ce soir on parle de clé USB. Oui, on est des fous de la clé USB. Non mais attendez, nous les clés USB c'est notre vie quoi. Mais c'est on vit qu'avec absolu. Des clés. On se fait, voilà. Vous savez que quand il y a des anniversaires, on se fait des soirées USB. Non, et puis on s'offre des clés USB tous. Oui, bien sûr. Voilà, c'est ça. Fait. Voilà. La vraie vie de François Sorel. Et oui. Et nous avons un spécialiste de la clé USB. Mais on est en fait les François Sorel et François Bedin, on est du même oui, vous du êtes même du bord, même vu, on adore les clés USB tous les deux. Là, c'est François Bedin ce soir qui va venir nous parler d'une énorme clé USB, enfin énorme en capacité et puis une clé USB hyper sécurisée par empreinte digitale. Et puis on terminera avec un nouveau smartphone que notre ami Raphaël Grabi viendra nous présenter. Le seul problème, c'est que c'est un HTC qui n'a pas l'air génial, génial. Ouais, il n'est franchement emballé, Raphaël, voilà, si j'ai bien c'est compris. Le HTC U, écoutez, on va en parler tout à l'heure. Et puis, bien évidemment, Jérôme, puisque nous sommes en direct, vous allez pouvoir réagir avec le hashtag 01live sur Twitter. Vous êtes aussi sur YouTube. On jette un œil sur vos commentaires. Merci d'être avec nous. Mais d'abord, la traditionnelle question 01net Orange. Comme chaque jeudi, donnez-nous votre avis sur l'actualité. On parle du Mobile World Congress, évidemment. Donc, selon vous, quelle marque va faire l'événement au salon de Barcelone? Est-ce que ce sera Samsung, Nokia, LG, Huawei? Forcément, on a réduit un petit peu volontairement le choix. On aurait pu mettre BlackBerry, Itineris. Tais-toi. Non. Vous allez sur www.01net.com pour voter. Et on fera un point tout à l'heure. Et en plus, suivez-nous parce que en écoutant tout ce qu'on va vous dire maintenant, votre point de vue va peut-être évoluer hein, par rapport à ces attentes liées au salon de Barcelone. Voilà, que attendre de ce Mobile World Congress 2017 à Barcelone? Évidemment, toute la rédaction de 01net TV y sera. On y va en nombre avec des lives qu'on vous proposera tout au long de la semaine. Notez-le. Direct, chaque jour de 13h à 13h30, 13h40, nous serons sur le stand d'Orange et on vous retrouvera lundi, mardi, mercredi, trois donc émissions lundi, en direct. Lundi, mardi, mercredi en direct. C'est chaque dingue jour. Ça, pour toute l'actualité en temps réel, tous les smartphones présentés au Mobile World Congress avec la rédaction de 01net.com. Jean-Sébastien Zanqui, oui. Alors, ce Mobile World Congress n'a pas commencé, mais malgré tout, on a beaucoup d'informations concernant les gros constructeurs qui d'ores et déjà communiquent sur leurs flagships qui seront présentés. Ils communiquent et puis il y a aussi beaucoup beaucoup de fuites déjà cette année. C'est un peu le salon de la plomberie en fait. Ah oui, pour le coup, c'est un peu ça. Oh là là. Je ne sais pas si vous avez une bonne adresse de plombier. Allez, très bien. Réagissez sur Twitter, hashtag 01live. Cette émission prend l'eau. Je vais rafraîchir le fil.
On fait ce qu'on peut. Mais en tout cas, ça va être quand même intéressant, parce que pour moi, on voyait la question du sondage, pour moi, l'événement, je pense que ça va être quand même le grand retour de Nokia. Ouais. C'est une conférence qui est hyper attendue. Ouais, mais toi, t'es un peu hipster aussi. Non, Jean-Sébastien. Non, mais pas du tout. Bien. C'est pas parce que j'ai une barbe. Non, il a raison. Non, t'as, bon, d'accord, ok. Ça va. T'as une patine vinyle à la maison ou pas? J'en ai deux, même. Ah, ben bah, voilà. Et alors ça, et après, il nous dit qu'il est pas hipster. Ah. Je suis pas végétarien. Non, et non, vraiment, c'est quelque chose qui est hyper attendu. Ils vont faire donc une conférence le dimanche. Ouais. C'est une journée où il va y avoir des tonnes de conférences. Et effectivement, Nokia donc, a été récupérée, la marque, par des anciens de Microsoft qui avaient été rachetés par Nokia à l'époque du rachat, etc. Ils ont déjà commencé à dévoiler des smartphones en Chine, notamment le Nokia 6. Et voici donc la vedette du Mobile World Congress 2017. Mais c'est génial. Ouais, alors là, franchement... Parce que c'est ça, en plus des smartphones qui vont présenter, qui sont certainement des smartphones donc Android, qui est quand même... Ouais, voilà, c'est ça, c'est déjà une info. Quand même. Effectivement, il y aurait une petite surprise qui serait le retour du 3310. On parle d'un modèle un petit peu affiné, certains disent qu'il pourrait avoir un écran couleur, donc ouais. C'est clairement pas un smartphone, hein, ça ne fera que téléphone, et qui pourrait avoir un tarif autour des 60 euros. Ah oui. Donc c'est super intéressant, ça peut être sympa si effectivement on est un peu hipster et qu'on veut se la jouer vintage et d'avoir ce téléphone-là. Ouais, ouais. Puis surtout si on veut avoir un téléphone qui a une batterie d'une semaine. Et voilà, c'est ça, c'est un téléphone, faut c'est pas qu'il improbable. Se loupe, hein, malgré tout. Mais je pense que ça sera pas voilà, le cœur de leur conférence, ça sera un petit clin d'œil. Ça sera plus intéressant de voir ce qu'ils vont faire sur les Mais c'est dingue parce qu'en fait aujourd'hui, depuis une semaine, tout le monde communique là-dessus. Tout le monde communique sur le nouveau 3310 de Nokia. C'est quand même incroyable. Ce qui est sûr, c'est que ça va faire parler d'eux, en tout cas. Oui, mais parce que c'est déjà un best-seller, hein, le 3310. Oui, il continue à être vendu. Il y a des marques comme Leki qui font du reconditionnement, de nouvelles couleurs. C'est-à-dire que c'est des anciens reconditionnés, c'est ça? Tout à fait, ouais. Donc voilà, ça va être déjà le premier événement. C'est quand même le retour de Nokia dans les smartphones. Ça va être sympathique de voir ça. Ils auront nouveau des smartphones quand même aujourd'hui. Voilà, il y a un Nokia 6 qui est une sorte de usage. Voilà, milieu de gamme. Et puis d'autres modèles un peu moins chers, manifestement. Pas de très très haut de gamme. Donc on verra ce que ça donne. Bon. Autre constructeur très attendu, c'est Huawei. Huawei qui tease déjà sur un probable P10 à double capteur, on imagine comme le P9. Bon, c'est un secret de polichinelle. Hein. Oui, c'est clairement, ça va être certainement ce modèle-là. Après, à voir s'il y avait pas mal de rumeurs sur le côté double capteur en façade ou pas. Donc ça, voir ce qui va être. Négocions avec Windows. Il fait chaud dans le. Il y a de la ventilation là-bas. Je vais remélanger. C'est sur le même ou pas? C'est sur le même flux? Sur YouTube, oui. Facebook, s'il est coupé, on ne pourra pas recréer. On ne peut pas diffuser et en même temps recréer un stream, c'est pas possible. Ça y est, c'est revenu. Nous y sommes. C'est reparti. Nous sommes de retour. Ben voilà. Vous l'avez vu, hein. Alors, est-ce qu'on va dire que quelqu'un s'est pris des fils dans le Tricaster? Non. On peut pas dire ça, quand on même. On va dire la vérité. Non, c'est pas possible. Il a planté. Il a planté. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le jeter par la fenêtre juste après le live, mais là, on en a besoin. Et après, vous allez voir, on va s'en occuper de ce Tricaster. Voilà, c'est la suite de ce 01 Live spécial rumeur, c'est Mobile World Congress 2017. Jean-Sébastien Zanqui, il nous restait quoi côté rumeur? Parce qu'il nous reste Sony, malgré tout. Alors, il nous reste alors, Sony. G6, je crois alors, qu'on avait G6, terminé, voilà, on avait fait le tour. Il nous reste Sony qui a été alors pour le coup très discret. Faut dire qu'ils ont aussi présenté beaucoup de smartphones à l'IFA, donc ils vont pas avoir non plus des tonnes de choses à montrer. On parle seulement d'un XZ2 qui serait un modèle là aussi avec donc qui suit la tendance avec l'écran vraiment très grand face avant, presque bord à bord. On a très peu de détails. Certains disent que ce sera un processeur MediaTek à l'intérieur, ce qui est pas forcément une super bonne nouvelle quand on connaît les performances. Mais c'est trop flou pour être vraiment fiable. Et puis quand même, faut parler de Samsung. Samsung qui donc a priori ne présentera pas son Galaxy S8 au Mobile World Congress, comme ils l'ont fait toutes les autres années depuis, je sais plus, 2, 3, 4 ans maintenant. Donc pour eux, ce sera plutôt une tablette Tab S3, qui sera une tablette sous Android avec un grand écran de 10 pouces AMOLED, un stylet évidemment, pour faire un petit clin d'œil au Note 7, et puis un clavier qui suit un peu
voilà la tendance des PC hybrides, de l'iPad Pro. Donc voilà, Samsung va vraiment axer sa communication sur sa tablette. Ça sera un peu bizarre de voir Samsung en décalé par rapport à ses camarades. Mais bon, voilà, ils reviendront en mars, certainement fin mars, avec, avec leur annonce du S8, qui lui aussi suit cette tendance, encore une fois. Bon, d'abord, vous l'avez compris, voilà, que tous les grands smartphones haut de gamme vont avoir cette année, a priori. Super. Donc on résume, 3310, un Minitel, un Bebop, et un fax. Et un nouveau fax couleur. Ah oui, un nouveau fax couleur. Un Telex. Ouais, bien. Non, mais tout va bien, ça va. On y croit, ça va bien se passer. Merci beaucoup, Jean-Sébastien. Merci. Je ne vais pas tarder à remettre ma Ray Wanadu sur le bon coin. Oui. Parce que... Oh, la Ray Wanadu, la DSL, la je l'ai encore, je pense. Oui. Ah, mais attendez, ça, c'était la révolution de la DSL quand même, quand c'était arrivé. T'as pas connu, toi, ça, la Ray Manta Wanadu? Oui, si, c'est un truc qui permettait d'avoir la DSL. C'était formidable. Je pense que sur le bon coin, ça va bien se vendre avec. Je pense, en effet. Bienvenue dans le coin des nostalgiques. David Noguera, parce que, alors, le Mobile World Congress, évidemment, c'est la mecque du portable, mais de plus en plus, c'est une occasion en or pour les constructeurs automobiles de communiquer sur leurs innovations. Mais oui, parce qu'en fait, c'est le lien entre smartphone, auto, et surtout sur cette tendance, ce renouveau, cette ligne de conduite que tous les constructeurs essaient de pousser, à savoir la mobilité. La voiture, on la consomme dès son smartphone, avec des services de location, de car sharing, etc. Et il y a surtout un nouveau constructeur auto. Alors, pas un nouveau constructeur, mais un présent cette fois-ci au Mobile World Congress, c'est Peugeot qui va y être pour la première fois. Donc, je les ai appelés, j'ai essayé d'en savoir un petit peu plus, parce que c'est parti d'un tweet du fil Twitter Peugeot France. Et impossible d'en savoir plus. On m'a dit, non, on t'en dira pas plus, impossible. Alors, on sait que là, ce sont des images de 3008 qu'on a élu voiture connectée de l'année sur le mondial de l'auto. Et on sait que le constructeur a beaucoup travaillé sur l'aspect multimédia dans ses voitures, la connectivité, etc. Et aussi sur la notion de dernier kilomètre, comment j'accompagne mes conducteurs vers leur point de chute final. Et pour ça, ça passe par l'ajout de la trottinette. Et donc, on imagine assez bien qu'ils peuvent arriver avec des services sur mobile. Et ils ont aussi une plateforme de services connectés à bord de la voiture. Donc tout ça, c'est beaucoup de suppositions finalement, parce que vraiment, ils n'ont absolument rien voulu me confirmer. Ce ne sera pas la trottinette, parce qu'elle est connue, etc. Donc ils ne vont pas revenir sur la trottinette, mais voilà, on sera sur une notion de mobilité du côté de chez Peugeot. Et ce sera sensiblement la même chose chez Ford, qui pour le coup, lui, est un constructeur un petit peu plus historique du Mobile World Congress. Là encore, grand secret, on ne veut absolument pas nous dire de quoi il s'agit, mais Ford travaille. Alors on va retrouver des produits qu'on a vus, là on le voit à l'image avec Carrie. Alors là, tu as testé des trucs assez étonnants. Voilà, ça, là, on était à Aix-la-Chapelle, donc découverte aussi un peu exclusive. Quel intérêt de monter sur un aspirateur, David ? Alors là, c'est des projets de... C'est pour qu'il dise à sa femme, t'as vu, chérie, j'ai passé l'aspirateur. C'est ça. Non, c'est mais pas bon, beau. Ouais, hein. C'est, en fait, là, au sein de la R&D de Ford, ils ont créé toute une équipe dédiée aux produits de mobilité. Et donc ça, c'est Carrie. On va aussi retrouver Tricity, qui est un espèce de diable qui peut se transformer. Carrie, c'est un petit peu, faut prendre le coup de main, mais bon, c'est un peu comme tous les overboards. Et surtout, l'idée, c'est qu'en plus, ce produit-là, il peut servir dans un aéroport, on peut transporter des bagages un peu lourds ou même chez soi. Voilà, le produit suit le smartphone, donc c'était un produit un peu bêta, donc il fallait vraiment lui présenter la télécommande pour qu'il nous suive. Mais on peut aussi le diriger. Donc tout ça, c'est des projets de mobilité qui n'ont pas vraiment leur place au sein de salons automobiles purs et qui du coup débarquent sur des salons un peu décalés. D'accord. Comme les salons on sait qu'aujourd'hui les véhicules sont de plus en plus connectés, intègrent la puissance d'un smartphone dans leur système de navigation, etc. Donc c'est, et puis les constructeurs veulent communiquer dans ces salons dédiés à l'innovation. Aujourd'hui, on voit bien, on l'a vu au CES. Ouais, mais on s'aperçoit que la thématique de la mobilité, ça englobe des tas de choses, quoi. C'est vraiment la mobilité dans physique, y compris avec les... Il y aura aussi alors Seat qui était présent l'an dernier avec des solutions de paiement à bord du véhicule avec un partenaire. On rentrait dans son véhicule, on pluguait son téléphone et automatiquement on pouvait récupérer les coordonnées de paiement qu'on avait stockées dans son smartphone pour payer son parking. On appelait un service de conciergerie, on lui demandait réserve-moi une table à tel restaurant et puis automatiquement on pouvait payer sa réservation. Donc il y avait cette notion de communication entre smartphone, véhicule et télépaiement. Donc ça, c'était pas mal. Donc là, c'était effectivement un système avec SAP. Et cette année, eh bien, ils y seront de
de nouveau, mais avec un stand de 500 mètres carrés. Donc ça sera un stand immense où ils vont présenter des concepts cars, ils vont faire des démos, et puis surtout ce qui est intéressant, et bien c'est Seat, donc qui est une marque du groupe Volkswagen, et finalement la marque qui est retenue pour faire toutes les expérimentations technologiques au sein du groupe. Bon, on aurait pu penser que ce serait Volkswagen ou Audi, finalement ça sera Seat avec le labo. C'est pas parce qu'ils sont en Espagne, non, ça n'a rien à voir. Là, ça sera en Espagne et effectivement, c'est lié puisque en fait, le groupe va ouvrir un labo donc qui va s'appeler Lab Metropolis et qui sera en charge de toute la recherche d'innovation pour le groupe. Et donc, on va avoir des choses un peu amusantes. Huawei, une dernière tendance, c'est effectivement Huawei qu'on connaît pour ses smartphones, qui sera aussi là pour montrer un petit peu tout l'intérêt de la connectivité en voiture. Forcément, il y aura Intel et Qualcomm qui vont se tirer la bourre sur les dernières normes 4G, 5G, avec du gigabit, la 5G. Bon, il y a encore des choses à définir dans les standards. Mais Huawei sera là pour définir cette fois-ci avec Audi les normes de communication entre les véhicules et entre les infrastructures. Donc on a déjà pris rendez-vous, on fera une petite vidéo sur ce que va présenter Huawei à bord d'une Audi qui communiquera avec la solution. Très bien. Merci beaucoup David. Allez, on ne va pas tout dire quand même ce soir. On en garde un petit peu sous le pied. Mais on va parler beaucoup de 5G durant ce Mobile World Congress, ça c'est une évidence. Merci beaucoup à tous les deux. On va parler de smartphones encore dans un instant et de l'impatience que provoquent parfois les smartphones. Mais juste avant, peut-être la question 0Net Orange du jour. Oui. Elle porte sur le Mobile World Congress. Qu'attendez-vous de ce Mobile World Congress? Selon vous, quelle est la marque qui va créer l'événement, qui va le plus créer l'événement? Voilà, je ne sais pas si on va voir apparaître la petite est-ce question. Est-ce qu'on peut avoir les résultats, les amis? Autrement, on le fait plus tard, c'est comme vous voulez. Oui, ben voilà, donc... Donc on attend, par exemple, on a des Samsung, mais c'est loin, c'est Samsung en premier, Nokia en deuxième, Huawei et LG. Voilà, bon. Donc mais Samsung... Et soyons bien d'accord, attention, Samsung, il n'y aura pas de Galaxy S8, hein, oui. 99%. Mmh. Mais il paraîtrait peut-être en qu'on photo. Ait voilà, quelques petites informations quand même. Un petit teasing, oui. Voilà. Ouais. Et puis, on voit que, bon, continuez à voter. Notre question 0Net Orange qui vous attend sur 0NetTV.com et 0Net.com. 18h23, on revient tout de suite avec Delphine Sabatier. Elle est là, elle nous a rejoint, Delphine Sabatier, bonsoir. Salut les garçons. Bonsoir. Salut Delphine, directrice de rédaction de 01net.com. Il n'y a pas beaucoup de filles jusqu'à présent là. Donc, non, mais heureusement Delphine est arrivée. Pas aujourd'hui, c'est vrai. On est content que tu sois passée. Delphine. Zoom actu maintenant. Ouais. Le numérique, ça stresse, le smartphone, ça stresse, et surtout quand on attend, paraît-il, trop longtemps en regardant l'écran de son smartphone. C'est le résultat d'une étude que vous avez épluchée. Et qu'est-ce qui nous stresse autant ? On est à quelques jours du Mobile World Congress, donc c'est un sujet super important. Ah oui. Alors, c'est un chiffre que j'adore parce qu'il est à la fois minuscule et en même temps, il est énorme. Une seule petite seconde d'attente sur un smartphone suffit à totalement nous stresser. Nous rendre fous. Ah oui. Voilà, donc moi j'en tire deux enseignements. Un, d'abord, je ne suis plus la seule à angoisser devant une barre de chargement. Et deux, on est donc tous devenus totalement dingues et c'est maintenant donc neuroscientifique. Voilà, ça a été prouvé par Ericsson et Vodafone qui ont fait ça très sérieusement. Ils ont rassemblé 150 utilisateurs de smartphones de 18 à 50 ans. Ils leur ont demandé de réaliser 13 tâches en 10 minutes et on les a séparés en trois groupes et chacun avait des vitesses de connexion différentes, plus ou moins rapides. Alors pendant ces 10 minutes pendant lesquelles ils devaient être sur leur smartphone à faire plein de trucs, on a surveillé leur activité cérébrale de manière très sérieuse. On a suivi le mouvement de leurs yeux avec de l'eye tracking et on a aussi enregistré leur fréquence cardiaque. L'idée, c'était de montrer quoi ? C'était de persuader les opérateurs qu'il était important de nous donner des débits satisfaisants parce que ces connexions ont un impact émotionnel important sur nous. Wow. Eh bien, dites-moi. La responsabiliser les opérateurs. Ouais, ça c'est dingue. C'est plutôt une bonne idée de les sensibiliser là-dessus. Oui, c'est vrai. Bon, et puis en plus, s'ils peuvent vendre encore plus de 4G de 5G, c'est plutôt pas mal pour eux. Leur résultat, donc, Delphine, est quand même assez flippant. On est complètement intolérant à cette latence, donc c'est bien ça. Oui. Alors, donc une seconde suffit à nous faire stresser, une seconde de latence, et précisons que c'est peu importe ce qu'on est en train de faire, je veux dire, même si ça n'a
aucune importance. Hein. Comme c'est la plupart une tâche du temps. Totalement futile. Au bout de 2 secondes, bien près de la moitié des utilisateurs commencent à décrocher. Hein. On regarde ailleurs. Et puis au bout de 8 secondes, après, là, c'est totalement foutu. On est passé à autre chose. On ne fera plus jamais ce qu'on avait envie de faire au tout début. Le pire, c'est... Alors, ce n'est pas le pire, mais quand même, ça m'a frappé. Quand vous regardez une vidéo en streaming, eh bien là, la simple vue de cette icône de chargement dont je vous parlais, la mise en tampon de cette vidéo nous fait tourne, là. Paniquer. D'accord. On rentre en panique. Et d'ailleurs, il semble que d'après cette étude, on préfère voir une vidéo de mauvaise qualité, mais maintenant, tout de suite, plutôt que d'attendre pour voir une belle vidéo en HD qui risque peut-être de déconnecter. Voilà, ça c'est le côté panique qu'on peut avoir devant une vidéo. Le pire, on y vient... C'est quand on doit charger son selfie. Alors là, il y a un degré de tolérance à peu près au niveau de zéro. Ah oui, ah oui, mais parce que là, il faut qu'on soit tout de suite sur le réseau. Donc c'est nous quand même en photo, donc ça peut, doit être on immédiat. On ne peut pas nous attendre. Mais c'est vraiment la même chose pour tous les utilisateurs. Alors oui, effectivement, pratiquement tous les utilisateurs, il y a eu différentes tranches d'âge. Alors ce qu'ils ont quand même noté, c'est que ceux qui étaient les moins gâtés, à savoir ceux qui surfent déjà en 3G par rapport à ceux qui surfent en 4G, sont un petit peu plus cool, un peu plus tolérants sans doute parce qu'ils ont l'habitude d'attendre un peu plus que les autres. Et puis quand même les moins de 24 ans sont les pires. Les plus stressés, les plus impatients, ce n'est pas très étonnant. Après 35 ans, comme nous par exemple, oui, c'est la sagesse qui on devient sage, on devient zen, ou alors désabusé, je ne sais pas, à choisir. La morale de cette histoire, c'est que plus ça va vite, plus il faut que ça aille vite. On n'a aucune tolérance pour la régression. On a un niveau d'exigence vraiment très élevé. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils ont montré des logos d'opérateurs avant et après chaque test. Et il y a eu une décote très importante quand le débit était bas. Donc ça a un impact. Voilà, c'est lié. Notre expérience, même si c'est une application qui plante, hein, eh bien, on en veut à notre opérateur. C'est QFD. Donc, les opérateurs, faites attention maintenant. Merci beaucoup, Delphine. Mais c'est vrai que c'est impressionnant. Tiens, il y a une petite remarque sur YouTube qui me fait assez rire, qui est un peu macho. Delphine, mais c'est vraiment très drôle. J'ai l'habitude, non, mais je travaille avec des garçons. Non, mais je te prépare. Ouais. C'est Frédéric qui dit, une femme pour se préparer bat tous les records de latence. C'est drôle. Non. Oui. Bon, voilà, ça me fait rire, c'est pas grave. Mais les femmes ont peu d'humour aussi, je pourrais dire, oui. C'est ça hein. Oui, c'est ça. Voilà. Exactement. Merci beaucoup Delphine pour ce Zoom Actu. Et Jérôme, on se retrouve dans un instant. On passe au labo. Oui. Et avec toujours le hashtag 01Live si vous voulez réagir en direct. Bien dit. J'allais dire, c'est quoi le labo hein, si jamais vous découvrez ce 01Live, eh bien, ce sont nos spécialistes qui reçoivent tous les nouveaux produits et qui leur font subir une batterie de tests pour ensuite vous dire ce qu'ils en pensent, si c'est bien, si c'est pas bien, s'il faut l'acheter ou pas. Avec Raphaël Grabli qui nous a rejoint. Salut, salut Raphaël. Salut. Et François Bedin. Salut. Bonjour. François. Jérôme. Yes. 2 Tera. 2 Tera. Pas 1 Tera, pas 1 Tera et demi. 2 Tera. Oui. Qu'est-ce que je vais en faire? Eh bien, c'est François Bedin qui va nous expliquer ça. Parce qu'il a dans sa poche, dans sa petite poche de belles chemises élégantes, comme à chaque fois il nous le prouve, oui. Eh bien là, il a une clé USB de 2 Tera. Mais 2 Tera, pour moi, c'est un disque dur gros comme ça. Quoi, eh bien non, regarde ça. Je peux la prendre là? Ah oui, ouais, tu as 2 Tera dans ta main, Jérôme. Ouais, non, ça fait rêver. Hein. Donc ça, c'est le nouveau record de capacité qu'a fait Kingston. Si ça, c'est avec, pas une discussion donc, geek. Avec une clé donc, de 2 teraoctets, c'est pas super c'est-à-dire 2000 gigaoctets, sachant que la moyenne des clés actuellement, c'est plutôt dans l'ordre de 64 gigaoctets. Donc on n'avait jamais atteint cette capacité-là. Non, alors cela étant, ils avaient quand même sorti la 512 giga, la 1 tera, donc on se disait que ouais, quelque ça part, va, ça va aller, voilà. Ils allaient quand même sortir aussi à un moment donné la 2 tera, et donc ils ont réussi cet exploit. En attendant la 4 Tera, peut-être, je ne sais pas. Mais c'est immense quand même, hein. C'est vraiment une grosse clé, quoi. Oui, parce que je pense qu'à l'intérieur, ils doivent mettre en fait plusieurs petites cartes contenant les puces mémoire. On peut pas mettre qu'une ou deux puces, il faut en mettre plusieurs, parce que la mémoire s'est miniaturisée, mais pas jusqu'à ce point-là, quoi. Alors la question, évidemment, qui vient tout de suite à l'esprit, c'est combien ça coûte? Alors on l'a eu en avant-première, donc pour l'instant, le prix n'est pas encore officiellement fixé. Moi, j'ai fait un calcul très simple, c'est que j'ai pris la 1 Tera et j'ai multiplié par 2, donc j'arrive... Comme c'est malin. J'arrive à 2000 euros.
2000 euros. Voilà. Donc, donnez-moi ça, mais je vais la prendre, je reviens avec. C'est donc ça, on verra si c'est plus ou c'est moins, mais ça va sûrement tourner dans ces eaux-là, parce que c'est quand même c'est ce que j'appelle un produit élitiste, c'est-à-dire que voilà, c'est réservé... Ouais, c'est dingue, pour des besoins très particuliers. C'est, pour la première fois, c'est la première fois que j'ai une clé USB qui coûte plus cher qu'un ordinateur. Alors il le livre, il la livre dans une belle petite mallette. Ouais, la petite boîte. Dans la petite boîte, il y a un petit sac et surtout il y a une rallonge, parce que le problème de la clé, c'est qu'elle est épaisse. Bah oui, voilà, il n'arrive pas à la mettre, le pauvre. Donc François, voilà, ça. Non, mais je suis en train de voir l'ordinateur est trop fin. Voilà. Pendant que vous discutez, je l'ai branché sur mon PC pour voir si effectivement t'es pas en train de nous arnaquer, parce que bah, François, vas-y. J'ai confiance en toi, mais je voulais bien voir si effectivement. C'est vrai, tu as raison. Quand je fais propriété, on va faire le test du test sur la clé USB. J'ai 2 Tera, mais continuez pendant ce temps-là. Parce alors que... on va parler peut-être un peu des perfs. Donc, j'ai 1 Tera 80. Exactement. 1 Tera 80, parce qu'en fait c'est le formatage. Oui, de... voilà. Enfin, c'est la façon dont un Windows de calculer, il prend pas des puissances 2000, mais des puissances 2024. Et donc ça peut prêter des fois à confusion. Bien sûr. C'est pour ça qu'on voit toujours moins. Voilà. Donc on parle un peu perf. Ah bah oui. Oui. Alors donc ils annoncent 300 mégaoctets par seconde en lecture, 200 mégaoctets par 200 mégaoctets en écriture. Mm-hmm. Alors, moi, je l'ai testé. Je suis arrivé à 340 mégaoctets par seconde en lecture, ce qui est excellent, et 180 mégaoctets par seconde en écriture, ce qui est plutôt bien. Mais ça ne marche qu'avec les gros fichiers, c'est-à-dire les grosses vidéos. Là, on obtient effectivement ces débits. Dès que c'est des petits fichiers, genre alors les fichiers bureautiques, c'est la catastrophe. Ah bon ? Et puis les petites photos, bah, ils n'arrivent pas à gérer correctement la chose. J'avais déjà vu ça sur d'autres clés, où justement, elle était très bonne pour les gros fichiers, pour les petits fichiers. Voilà, c'était déséquilibré. Donc, par exemple, pour mettre des vidéos 4K, on peut mettre 70 heures de vidéos 4K, ce qui est complètement monstrueux. Là, il n'y a pas de problème, on aura bien les débits qu'il faut. Oui. Ouais. Ben c'est un peu comme un éléphant qui gobe une mouche, quoi. Ça n'intéresse pas, il faut lui des gros fichiers. Excusez-moi pour ces images un petit peu. On nous dit sur YouTube, c'est beaucoup plus cher qu'un disque dur et même qu'un disque dur SSD. Bah oui, effectivement. Hein. Alors des SSD de 2 Tera, il n'y en a pas beaucoup. Non, en plus, et alors, par contre, j'ai regardé évidemment les disques durs normaux de 2 Tera, ça tourne autour de 150 euros. Donc effectivement. Bah, oui. Mais là, il n'y a pas de partie mobile, il y a quand même des débits. Un disque dur externe de 2 Tera, ça tourne à peu près à 100 mégaoctets par seconde. Donc voilà, non, on mais gagne de, quand même. Ce qu'il y a de dingue, c'est qu'aujourd'hui, ce truc-là bon, coûte 2000 euros, mais on sait que dans quelques mois, ça va coûter moitié prix. Et que voilà, quoi. Rappelez-vous, la première clé USB, c'était un truc qui coûtait une fortune. Mais attends, on nous les donnera en cadeau. Oui, c'est ça. Les clés c'est de 2 Tera. C'est ça. Tenez, et nous, on dit, oh, encore une clé de 2 Tera. USB, mets là dans la boîte. Cela étant, passer une certaine capacité, ça reste quand même cher. Ouais. Je trouve autant les clés de 64 gigaoctets ou 128, ça va, on arrive à trouver des tarifs intéressants. Autant dès qu'on commence à monter au-dessus, là, ouais, là, ça reste encore extrêmement élitiste. L'homme des clés, c'est François Bedin, hein, sur zeronet.com. Et alors justement, et j'en ai une deuxième. Il en a une deuxième. C'est ça. C'est le serrurier de la rédaction, en quelque sorte. Il y a deux poches en même temps. Alors, il y avait la grosse clé, voici la petite clé. Et t'as mis une clé dans chaque poche. Voilà. Mais vous avez vu, c'est en plus, c'est, on dirait un petit magicien, il prévoit toujours les petits heureusement trucs. Heureusement qu'il n'a pas trois clés. Quoi ? Heureusement que t'as pas trois clés. Mais il aurait eu une chemise avec une troisième poche. Avec trois poches. Alors, celle-là, il faut, est toute petite. Alors, il faut que j'explique à quoi ça sert. Celle-là, vous la voyez ? C'est une clé qui ne fait pas du stockage, c'est une clé qui est en réalité un lecteur d'empreintes digitales. Donc ici, ça se branche donc en USB sur son ordinateur et ça fonctionne super bien avec Windows 10 parce qu'il y a la fonction Windows Hello qui permet de s'authentifier et de remplacer le mot de passe. Donc alors attends, comment ça marche ? On branche ça sur le PC ? On branche, on enregistre son empreinte digitale. D'accord. Je crois que ça peut mémoriser une dizaine de doigts. D'accord. Et quand on après, en perd un ou deux, voilà. ça va, il n'y a pas de souci. Et après, au moment en fait du redémarrage de l'ordinateur ou d'une sortie de session ou une chose comme ça, là on ne peut pas. Pour là, il faut enregistrer les empreintes. Donc à ce moment-là, au lieu de demander le mot de passe, il suffit de poser son doigt sur la clé et c'est instantané, on est tout de suite reconnu et on peut démarrer avec Windows. D'accord. Voilà. Donc moi, je l'ai essayé, c'est vraiment, ça marche super bien. L'intérêt, c'est qu'il n'y a pas de pilote à installer ou quoi que ce soit. C'est vraiment, ça fonctionne. C'est plug and play. Plug and play avec Windows 10. Alors, hélas, pour l'instant, ce n'est pas encore vendu en France. Donc, j'espère que ça le sera prochainement. Je pense que ça devrait coûter dans une cinquantaine d'euros. Mais voilà, je n'ai pas de prix officiel. Bon, en tout cas, c'est moins cher que la grosse de 2 Tera. Hein. Voilà. Mais pour les gens qui en ont marre de souvenir de leur mot de passe, c'est un moyen de s'authentifier vraiment très très simple. Merci beaucoup François Bedin. Voilà, on te rend tes précieux petits joujoux qui coûtent une fortune. Et on enchaîne avec Raphaël Grady pour terminer ce 01 Live Hebdo. Raphaël, nouveau smartphone, alors en marge du Mobile World Congress. Hein. Ouais, Alors ce qui est étonnant, parce que tu vas nous parler d'HTC qui
visiblement sera presque absent. Absent, hein, ouais. En fait, c'est assez étonnant. D'habitude, ils communiquent quand même assez. Là, ils ont voulu présenter leur nouveau haut de gamme. Alors, ils l'ont présenté il y a à peu près un mois. Il est en train de sortir. Donc, ils sont complètement à contre-courant par rapport aux autres fabricants. Ils ne seront pas du tout au Mobile World Congress. Il n'y aura pas le successeur du HTC 10. Donc voilà, c'est assez étonnant de la part de HTC. Ils voulaient avoir un événement à eux, un calendrier à eux. Donc, ils présentent, ça s'appelle le U Ultra. Alors, c'est un smartphone haut de gamme, très grand format. Et en fait, ce qu'ils ont voulu faire, c'est aussi complètement changer le design par rapport au HTC 10. Si on se souvient, c'est vraiment le smartphone à la HTC avec le design qui était un petit peu stagnant depuis 3 ans, tout en métal, etc. Qui ressemblait beaucoup à l'iPhone 6. Qui ressemblait, alors, alors c'était plutôt un design assez anguleux, un peu avec des, voilà, avec des bords un peu anguleux, qui a été ensuite beaucoup copié par les fabricants chinois pour des smartphones de... pas toujours très qualitatif, donc ils étaient un peu piégés là-dedans, donc ils ont voulu changer complètement le design. Bon, alors, ils ont fait du vert, ils ont fait du bleu. Enfin, moi j'appelle ça... Oui, du vert en couleur ou du vert, non, du vert en matériaux, avec du bleu. Donc c'est assez joli, ça peut être interprété comme étant aussi un peu bling-bling. C'est assez joli, oui, c'est, on dirait un peu une boule d'arbre de Noël. Voilà, là, exactement, surtout que le coloris c'est pas prête, moche. Voilà. Non, c'est pas moche, c'est assez intéressant. Moi, ce que je regrette un peu quand même, c'est l'appareil photo carré, assez protubérant comme ça. Bon, après, c'est une phablette, c'est un truc de 5,7 pouces, hein, donc c'est très gros. C'est un gros bébé. Voilà, c'est un gros bébé. Et le problème, c'est que non seulement il est gros, mais qu'en plus, il est assez glissant. Et on le voit, je pense, à l'image, il prend quand même pas mal les traces de doigts. Traces de doigts, comme d'habitude. Voilà. Donc, comme d'habitude, avec le verre. Donc, il est beau, mais il va falloir faire très attention à ne pas le faire tomber. Alors, avec 5,7 pouces, c'est un écran QHD. Le petit problème qu'on a eu au labo, c'est qu'on l'a trouvé pas très lumineux. Il n'est pas très puissant, l'écran. Donc, ça pose quand même problème pour un appareil qui se veut vraiment haut de gamme comme ça. Donc, on a mesuré, je crois que c'était moins de 400, 300 et quelques candélas par mètre carré. Ce qui n'est pas franchement énorme. Par contre, il a une petite spécificité, c'est qu'il a un second écran. Alors, ce n'est pas complètement nouveau. On l'avait vu chez LG, par exemple, avec les V10 et les V20. Qui n'étaient pas sortis en France, d'ailleurs. Parce qu'ils sont jamais... Mais qu'on a vu au CES de Las Vegas. Moi, exactement, on les a vus au CES. C'est assez étonnant. C'est assez étonnant. Ils ne sont jamais sortis en France. Voilà, c'est la stratégie d'LG. C'est assez sympa à l'usage, finalement. En fait, grosso modo, ça permet... Par exemple, de mettre ses applications préférées, ses contacts favoris, il envoie à l'écran les applications, voilà, des rappels, acheter du pain par exemple, un calendrier, les contacts qu'on utilise le plus souvent. Sympas, Raphaël, hein. Oui, voilà, moi j'achète du pain. C'est important, c'est sensible. Bah, on peut en mettre qu'un, voilà, donc du coup j'achète du pain tous les jours. Ouais, voilà, ouais. C'est... Bon, voilà. Voilà. Il a ouvert une pas très original. Du coup, mais honnêtement, franchement, ça fait un peu gadget, mais on s'y habitue étonnamment, c'est assez pratique. En fait, c'est un peu un complément aux icônes qu'on a en bas, etc. Ouais. Donc c'est une bonne idée. En plus, il y a Android Nougat, donc le nouvel Android. Ouais. Enfin, pas le Nougat, je te recommande pas, hein. Ça fait grossir. Ouais. Oui, mais bon. Allez, celle-là, ouais, on va pas rebondir là-dessus. Voilà. Hein. Moi, je me désolidarise. Pourtant, on est amis depuis des années, mais là, je peux pas. Là, je jette l'éponge. Ouais, ça va. Hein. Oui, ça va. Donc, ça, enfin, ça va pas bien, mais ça va quand même. Donc voilà, pour ne pas rebondir là-dessus, on a le nouvel Android, mais qui a des nouvelles fonctions avec le mode multi-fenêtre, qui est assez pratique sur un grand écran comme ça, ça a du sens. Mmh. Le fait de pouvoir répondre par exemple aux notifications directement depuis les notifications justement à des messages, un peu comme ce qu'on a sur iOS hein, depuis plusieurs années, c'est toujours pratique. Et forcément, derrière, on a le Snapdragon 821, donc le processeur le plus puissant pour le moment avant le 835 qu'on aura donc avec le Samsung. Alors, c'est pas mal, simplement le problème, c'est que c'est pas tellement puissant qu'un OnePlus 3T, par exemple, ou qu'un Xiaomi Mi 5S, donc des smartphones alors qui coûtent justement deux fois moins cher, parce que c'est le gros problème de ce HTC, c'est qu'il coûte 800 euros. Oula, voilà. Mais attendez, qu'est-ce qui leur arrive? Voilà, honnêtement, moi, je comprends pas trop leur stratégie. En plus, en photo, ils ont repris la même configuration que le HTC 10, qui était correct, mais pas un des meilleurs en photo. Il n'est pas très autonome, contrairement justement au OnePlus 3T qui a le même processeur. Donc c'est un smartphone qui coûte très très cher, qui coûte 800 euros, qui n'est pas mauvais, mais qui n'est pas excellent dans tous les domaines. À ce prix-là, je pense qu'il faut qu'il soit bon dans tous les domaines, qui est même moyen en autonomie, je le disais, plutôt moyen bon en photo. Voilà. Moi, personnellement, je trouve que HTC aurait dû mettre ce smartphone à un prix beaucoup plus accessible, peut-être 300 euros de moins, mais 800 euros, c'est quand même assez difficile de le conseiller. Voilà, bon, on va à HTC, c'est vrai que le constructeur taïwanais est vraiment... Un peu, ouais. Autant sur la réalité virtuelle, avec le Vive, ils ont fait de belles choses. Mais dans les smartphones, c'est dans pas les smartphones, joli. C'est un petit peu compliqué, ouais. Merci beaucoup, Raphaël. Merci. Voilà, on se retrouve à Barcelone. Et oui, les dimanches. On vous dit tout hein, sur 0net TV, sur 0net.com, quand on est content et quand on est un petit peu déçu. La Switch. Ah, la Switch. C'est quoi la Switch? Vous savez quoi? Ça y est, la Switch. Non, la Switch...
la console de Nintendo, tu sais. J'ai entendu parler, oui. Elle est arrivée à la rédaction de 01net. Alors hier, dans 100% Gaming, j'ai pu montrer la boîte. C'était génial, hein, on s'est bien éclaté. Maintenant, on vous montre l'intérieur de la boîte. Et regardez là, ça y est, on l'a reçu à la rédaction. Ta-dam. Nous étions très fébriles. Regardez, on vous montre l'unboxing de la Nintendo Switch, la nouvelle console de Nintendo qui sort vendredi prochain. Pas ce vendredi-là, pas demain, mais la semaine d'après. Alors évidemment, des tas de vidéos à découvrir dans les prochains jours sur 01nettv.com. Ça a commencé déjà, hein. Il y en a déjà une qui vous attend sur 01nettv.com. Et on en a d'autres qui vont arriver parce que c'est l'événement high-tech de ces dernières semaines. Eh ben, il y en a des choses dans la boîte. Switch, hein. Voilà. Elle est en kit, non ? Elle est, écoute... il faut la monter soi-même. C'est un peu la particularité de cette console, justement, hein, qui a plusieurs usages. Hein, en mobilité, on peut la brancher sur un dock pour jouer sur sa télé. Triple usage, en fait. Et on en parlera aussi la semaine prochaine. On vous réserve un live spécial Nintendo Switch. Dans 01 Live Hebdo, jeudi, on vous proposera un 01 Live spécial. Et puis ensuite, on enchaînera sur 30 minutes dédiées à la Nintendo Switch avec vos questions. Pierre Fontaine qui sera là. Et ça va être très sympa parce qu'on va pouvoir rentrer dans les détails de cette nouvelle console. Ouais, vous saurez tout, on répondra à toutes vos interrogations. La question 01net Orange de la semaine, on fait un dernier point. Qu'attendez-vous du Mobile World Congress de Barcelone? Selon vous, quelle est la marque qui va le plus créer l'événement? Eh bien, c'est Samsung, toujours en tête. Suivi de Nokia, de Huawei et de LG. Donc c'est réponse... étonnant quand même, Nokia qui arrive avant Huawei hein, dans les résultats. Ouais, parce que c'est voilà, fou. Cette histoire de 3310 commence à faire pas mal le buzz. Ouais, mais bon, voilà, on peut pas aussi imaginer. on peut pas imaginer. Oui, il y en a qui s'enrhument dans les coulisses. Alors si au loin vous entendez des éternuements, c'est tout à fait normal. C'est notre équipe vidéo qui est en train de mourir en fait. Ils sont au bout du rouleau. Vous dire. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que après le Tricaster qui a éternué tout à l'heure, c'est maintenant autour des. Ah, tu penses qu'il y a peut-être un lien de cause à effet. Je pense qu'ils ont attrapé le même virus que le Tricaster de tout à l'heure. Virus, bon, en tout cas, merci de nous suivre parce que c'est vrai que là, ça a été un peu compliqué durant ce live. On a une petite coupure, mais voilà, on a pu terminer. On est revenu dans de bonnes conditions. Et on se retrouve très très vite sur 01net TV, notamment à partir de dimanche. À partir de dimanche. Pour vivre ce Mobile World Congress depuis Barcelone. Portez-vous bien. Merci à Thomas Romillon et Pierre Thuelin et Jean-David Duarte pour la réalisation technique. Voilà. Et à Noémie Lefebvre-Marek qui a préparé ce 01 Live Hebdo que vous retrouvez, vous le savez, tous les jeudis soirs. Et en replay, très vite. Enfin, on va recoller les bouts où ça a marché. Ne vous inquiétez pas. Bonne soirée à vous toutes et à vous tous.